avait un petit peu la paix, à force, ça a été un petit peu long. Donc, alors, malheureusement, rapide, mais faut pas passer à côté quand même de cette taxe vivre ensemble qui nous semble vraiment important à tous. Donc, très rapidement sur nos ateliers de travail, notre atelier de travail, il est ressorti deux axes principaux qui étaient la convivialité avant tout, et la solidarité. Pour ce faire, j'ai sorti quelques sélections de projets, si j'ose dire, concernant la convivialité. On a tous trouvé, en arrivant sur Sénac, en habitant sur Sénac, qui avait cet esprit village et cet esprit de convivialité. J'espère que les nouveaux habitants la découvrent et la découvriront encore prochainement. Et donc, c'est au travers de certaines manifestations qu'on aimerait mettre en place, des manifestations intergénérationnelles pour faire le lien entre les anciens, les moins anciens. Donc, à travers des manifestations telles que la Saint-Pépine, pour la plupart vous connaissez, et nous voulons rendre plus convivial encore, plus attractif encore. Bref, créer ce lien intergénérationnel qui nous est cher à tous. Alors, en investissant le centre-bourg, notamment la place, on a imaginé, entre autres, alors c'est pas du tout exhaustif, un marché nocturne, mensuel, un marché de producteurs locaux, tant s'en peut, mais aussi un marché artisanal, avec des animations telles que concerts ou théâtre de rue ou pourquoi pas démonstration de hip-hop. On attend vos idées, évidemment. On aimerait également remettre en place un comité des fêtes. Pour ce, on aura besoin de toutes les bonnes volontés, évidemment. Monsieur Campagne peut-être pourra nous faire part de son expérience concernant l'organisation de KIN ou autres manifestations festives enterrées depuis quelques temps et qui pourraient nous faire sortir de terre, constructibles ou pas. Vous viendrez nous apporter toutes vos idées concernant ces animations et apporter vos volontés pour la création d'un comité des fêtes. Alors, nous avons également pensé investir la bibliothèque comme un lieu central où on puisse faire un espace d'échange et de partage. Pourquoi ne pas investir l'ensemble des lieux, aussi bien à l'intérieur de la bibliothèque qu'à l'extérieur, y développer des ateliers, par exemple de l'art choral, des décorations de Noël pendant les fêtes, aussi bien des travaux de couture, des travaux manuels, se réunir entre nous pour que ce soit plus convivial, faire des choses ensemble. Un repère café avec des échanges de savoir et un café citoyen. Nous souhaiterions également mettre en place un point numérique, réfléchir à comment l'animer et guider les éventuels utilisateurs dans leurs demandes. Voilà. Donc, nous aimerions valoriser les lieux de nature. Nous avons la chance d'avoir à Sénac des nombreux lieux de nature, comme le bois de Défonceau ou alors les chemins communaux. Et ainsi, nous aimerions les investir et les faire découvrir. Nous pourrions partir à la découverte de ces chemins à travers des balades mensuelles, parfois comptées. Il faudra parallèlement faire un état des lieux de ces chemins et pourquoi pas envisager un nettoyage collectif. Nous souhaitons également développer des animations en lien avec les thématiques fortes du collectif, comme des semaines à thème en y associant des différents acteurs, comme les scolaires par exemple, sur le zéro déchet, l'alimentation durable ou les semaines sans écran. Nous souhaitons solliciter les habitants une fois par an à travers une journée citoyenne pour développer des actions pour le ramassage des déchets,
la réhabilitation des chemins ou la reconstruction du lavoir. Voilà. Notre axe était d'amener la culture chez les Sénakais et donc ça existe déjà, de développer ça, essayer de repérer aussi sur la CDC et qu'on ait au moins savoir ce qui se passe aussi chez les autres. Et puis aussi donc essayer de surprendre aussi un peu les Sénakais, donc il y aurait un atelier qui travaillerait là-dessus, avec par exemple du théâtre à domicile, le bus des curiosités, on viendrait vous prendre, vous savez pas où vous allez, et puis on vous amène à un endroit où il y aura un spectacle. Voilà, essayer de développer, on a listé plein de choses, voilà. Et voilà, à réfléchir avec nous. Donc ça c'était le premier axe, l'axe convivialité. Le second axe dont tu as parlé tout à l'heure, c'était la solidarité. Donc l'idée c'est vraiment d'être sur un village solidaire. Donc il y a deux points importants dans ce... Le premier c'est... L'axe solidarité c'est de réfléchir aux problématiques rencontrées par les habitants de la naissance au troisième voire quatrième âge. Donc réfléchir sur les besoins et toujours dans cet esprit comme on l'a dit depuis le départ de façon collective. Donc le premier point c'est d'engager des discussions pour l'enfance et la jeunesse. Alors c'est vrai qu'il y a la CDC qui est là et qui a les compétences enfance jeunesse, mais la commune elle a toujours des choix à faire, et notamment sur l'organisation et temporis scolaire de l'école. On y est en ce moment. La première question ce sera de réfléchir et de se positionner sur les temps d'accueil périscolaires mis en place. C'est du temps qui... ce sont des étapes, ce qu'on appelle étapes. Ils ont montré une chouette dynamique, hein, et ils ont permis de découvrir de nombreuses activités pour les enfants. Mais ils sont parfois aussi décriés par certains, notamment sur la question des maternelles. Bon, il y a un coût important. Donc la question, en fait, qui remonte de la part des parents, mais aussi des enseignants, c'est de réfléchir de façon collective sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces étapes, sachant que l'idée, c'est toujours proposer des choses aussi de qualité, de continuer aussi dans cette orientation, parce que cette dynamique peut exister dans d'autres cadres. Le deuxième point, ça sera d'impliquer les jeunes, parce qu'il y a les enfants et puis il y a les jeunes. Les jeunes, c'est les ados, 12-18 ans. La question, c'est que peut-on proposer en plus de ce que fait la CDC, sachant qu'elle y a travaillé, elle a fait un diagnostic récemment. Ce qui nous est remonté, c'est que la commune, elle a aussi sa propre jeunesse. Et la question, c'est comment développer des projets pour qu'elle se retrouve. Donc l'objectif sera, dans un premier temps, de recenser auprès des jeunes les besoins. Et l'idée aussi, toujours dans cette idée de participation citoyenne, ce sera de réfléchir à leur proposer un budget participatif pour des actions spécifiques qui seront proposées par eux et qui auront l'objectif aussi d'encourager la participation citoyenne des jeunes. Après, nous avons aussi posé d'autres questions, d'autres problématiques. Donc on va parler la question de comment travailler autour des jobs d'été, des stages de troisième, enfin voilà, comment développer aussi un réseau pour ces jeunes qui n'ont pas toujours un accès à l'information. Voilà. Bonsoir, moi c'est Virginie. Donc, dans cette question de solidarité, il y a aussi développer des actions vers les plus fragiles, afin de prévenir déjà l'isolement et le repli sur soi, et en s'appuyant sur l'engagement citoyen. Donc en s'appuyant sur le Centre communal d'action sociale, l'idée est de développer un réseau de voisins bienveillants, donc sera très important de bien recenser en amont les besoins pour mieux accompagner, donc un réseau solidaire. Ensuite, on pourra donc proposer une mise en relation des personnes isolées, des volontaires, sous forme de visites de convivialité par exemple, de portage de livres, en fonction bien sûr du temps que chacun pourra y consacrer. Assurer un relais téléphonique quotidien aux personnes isolées, permettre à des personnes isolées d'être accompagnées pour faire des sorties culturelles possibles sur la commune, proposer le partage de repas à l'école pour développer les liens intergénérationnels,
puis aller chercher éventuellement des personnes âgées qui sont volontaires pour qu'elles lisent des histoires aux plus petits. On pourra relayer l'information et accompagner les Sénaquais sur les démarches qui existent. Il faut savoir qu'il y a des aides du CA, de la communauté communale d'action sociale qui existent déjà, comme à la CDC, par exemple la possibilité d'utiliser des transports adaptés à la demande, et réfléchir aussi, ce qui est important, aux actions possibles autour du handicap. Quel lien on peut développer avec le Château Rosé? Peut-on permettre l'accessibilité de l'ADAPT vers le centre-bourg? Et comment développer les animations inclusives? Voilà.